while we read the word, debout un instant alors que nous lisons la parole. Allons directement dans la parole ce soir. On n'a pas trop de temps. Je veux que vous preniez avec moi ce soir le livre de l'Exode. Et pour commencer, le chapitre 4 du livre de l'Exode. Answered and said, Moïse répondit et dit, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, or they will say, the Lord has not appeared unto thee. And the Lord said unto him, lui dit, what is that in thine hand? Ta main? And he said, a rod. Il répondit, une verge. And he said, cast it on the ground. Dit, jette-la par terre. And he cast it on the ground. Il la jeta par terre. A serpent. Et elle devint un serpent. Moses fled from before. Moïse fuyait devant lui. And the Lord said unto Moses, L'Éternel dit à Moïse, put forth thine hand and take ta main, it by the tail. Et saisis-le par la queue. And he put forth his hand and la main, caught it. Et le saisit. It became a rod in his hand. Redevint une verge dans sa main. That they may believe afin that the Lord God of their fathers, le Dieu de leur the père, God of Abraham, le Dieu d'Abraham, the God of Isaac, le Dieu d'Isaac, the God of Jacob, Dieu de Jacob, has appeared unto thee. T'es apparu. And the Lord said furthermore unto him, encore, put now thy hand into thy main bosom. Dans ton sein. And he put his hand into his bosom. Sa main dans son and sein. When he took it out, quand behold, il a retiré, his hand sa main était couverte de lèpre, and blanche said, comme la neige. Put thy hand dit, to the bosom again. Remets ta main dans ton and sein. He put his hand into his bosom il again. Remit sa main dans son sein. Plucked it out. Il la retira of his bosom. De son sein. And behold, et voici, it turned again as his other flesh. Redevenue comme sa chair. And it shall come to pass, et il arrivera, if they will not believe, s'ils ne te croient pas, neither hearken unto the ni voice à la voix of the first sign, du premier signe, that they will believe qu'ils croiront the voice à la voix of the second sign, du deuxième signe. Let us bow our heads. Inclinons la tête. With our heads bowed and avec notre tête inclinée et nos cœurs aussi, je me demande s'il y a des gens ici ce soir qui ont des requêtes de prière. Voulez-vous le montrer en levant la main? God grant your que Dieu exauce votre requête. Our Heavenly Father, notre Père Céleste, we have deemed this such nous a privilege considérons to come un tel privilège in prayer, de pouvoir nous approcher de toi par la name prière of the Lord en venant Jesus, du Seigneur Jésus. Et il nous a promis que si nous demandions quoi que ce soit en son nom, cela serait accordé. Tu connais le besoin de chacun de nous. Tu sais ce que nos mains levées représentent. Je te prie, Père, d'exaucer chaque requête ce soir. Reçois-en la gloire. Et maintenant, que le grand docteur de la parole, le Saint-Esprit, vienne sur nous ce soir et se révèle à nous et se fasse connaître à nous the evidence par l'évidence of his resurrection, de sa résurrection. May he come among us tonight, puisse-t-il venir parmi nous ce soir, Seigneur, and visit our hearts, et visiter nos cœurs, speak to us nous parler the things à travers that ces choses qu'il a promises pour ce jour. May the words que les paroles qui sont promises for this hour pour cette heure se manifestent devant nous afin que nous ayons l'assurance en ce temps très difficile dont tu as annoncé qu'il viendrait sur la terre pour éprouver tous les peuples. Et nous en sommes assurément arrivés à cette heure-là, Père, où les hommes sont éprouvés. Il y a tellement de points de vue, pratiquement personne ne sait ce qu'il faut faire. Seigneur, je te prie que tu nous fasses connaître ce soir que tu es ici et avec nous, ici, présent pour nous aider. Exauce nos requêtes, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai été un tout petit peu en retard ce soir. J'ai toujours l'impression qu'il faut utiliser ce micro, mais c'est celui des enregistreurs. Mais celui-ci, je pense que c'est celui que je dois écouter ou dans lequel je dois parler. Demain soir, c'est la soirée du banquet. Ne l'oubliez pas. Je pense, je suppose que ça a été annoncé, l'endroit où les gens doivent aller. Nous apprécions certainement votre collaboration dans ces grandes choses que notre Seigneur a faites. Maintenant, ce soir, je pense que, à moins de connaître la parole de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas avoir la foi tant que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu
Et alors là, si nous savons quelle est la volonté de Dieu, que la parole de Dieu le dit, alors nous pouvons y marcher avec joie. Si le Seigneur Jésus en personne marchait sur la terre ce soir, dans la chair, et qu'il dise, demain, il va pleuvoir toute la journée. Alors, ce serait très facile pour moi de prendre un parapluie pour sortir demain matin. Parce qu'il l'a dit. Par contre, s'il ne l'a pas dit, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, c'est comme ça. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons savoir l'heure et l'âge dans lequel nous vivons. Au nouveau venu, cette semaine, nous avons essayé de montrer que Dieu, depuis le commencement, connaît la fin. C'est ce qui fait qu'il est infini. S'il n'est pas infini, infini, il n'est pas Dieu. Et pour être Dieu, il doit être omnipotent, omniprésent, omniscient et omnipotent pour être Dieu. Tout puissant et sait toutes choses en tout lieu. Et il connaît la fin depuis le commencement. Sinon, alors il n'est pas Dieu. Donc, en réalité, rien ne va pas de travers. C'est plutôt nous. Rien de ce qui est dans la parole de Dieu. Elle continue son tic-tac comme une horloge. Et quand c'est l'heure où la chose doit arriver, la parole assignée pour cet âge, alors la chose arrive. On pourrait penser que ça ne va pas arriver. Parfois, la chose arrive, on ne la reconnaît pas. Jésus a dit une fois, ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tous les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement, voyez-vous? C'est ce qu'ils croyaient. Ils croyaient qu'Élie allait venir. Jésus les a regardés et il a dit, Élie est déjà venu. Voyez, vous passez à côté les scribes, les ministres, les disciples, et c'était Jean-Baptiste. Et sa venue était en tout point conforme à ce que devait être la venue de cet Élie. Pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Et maintenant, il nous incombe de reconnaître l'heure où nous vivons et le temps où nous vivons. C'est pourquoi je vais parler ce soir de la voix du signe. Un sujet étrange. Toutefois, Dieu fait des choses étranges. Il agit de manière inhabituelle. C'est ce qui fait qu'il est Dieu, parce qu'il est surnaturel. Et tout ce qu'il fait, il le fait, il peut le faire dans le surnaturel, parce qu'il est surnaturel. Maintenant, la voix du signe. Il y a un signe à une voix, le sang à une voix, le sang crié de la terre, et ainsi de suite. Le sang juste d'Abel s'est élevé contre Caïn. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle de choses meilleures que le sang d'Abel. Maintenant, notre scène ce soir s'ouvre sur l'Exode. Le temps de l'Exode, c'est le temps de l'appel à sortir. Et l'Exode était proche. Moïse, le serviteur du Seigneur, avait été appelé dans la ligne du devoir. Et en faisant ce qu'il avait jugé bon de faire, il avait reçu une instruction en Égypte. Il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était un grand militaire de génie, capable de délivrer son peuple de cet esclavage, parce qu'il était le futur pharaon. Et combien il aurait été facile pour lui de le faire. Mais vous voyez, dans ce cas, alors ça aurait été une chose naturelle. Dieu ne se sert pas des choses naturelles. Il se sert des choses surnaturelles. Après avoir passé 40 années à recevoir le plus haut et les meilleurs niveaux d'instruction, il était le meilleur des érudits. Il avait compris, grâce à sa mère, qui était son tuteur, que c'est lui qui allait délivrer le peuple. Et il agit dans la puissance de sa compréhension et il a tué un Égyptien. Il a alors constaté que tous ses efforts s'étaient soldés par un échec et s'est enfui dans le désert. Et l'instruction que l'Égypte avait mise en lui pendant 40 ans, il a fallu à Dieu un autre 40 ans pour sortir ça de lui. Pour qu'il ne se confie pas aux principes éthiques qui lui avaient été inculqués, mais qu'il se fie au surnaturel. Maintenant, le temps était proche, car Dieu avait fait une promesse à Abraham 400 ans auparavant que sa semence séjournerait dans un pays étranger et qu'il les en ferait sortir. 40 ans plus tard, il allait le faire sortir par la main puissante. Il allait délivrer son peuple par sa main puissante. Et comme le temps approchait,
Il devait s'accomplir la promesse. Alors Dieu a fait entrer Moïse en scène. Moïse, après avoir été un échec total, s'en est allé dans le désert. Maintenant, le type ici, il y a un merveilleux type que nous ne voulons certainement pas manquer de voir. En type, Dieu faisait sortir Israël, son peuple, une nation hors d'une nation. Une nation hors d'une nation. Une nation hors d'une nation. Un très beau type d'aujourd'hui que Dieu appelle son épouse hors d'une église. Une épouse chrétienne hors d'une église chrétienne. Une épouse église hors d'une église. Ce qui est appelé dans la Bible, j'ai plusieurs notes, références bibliques sur papier ici pour la leçon ce soir. Elle est parfois appelée la choisie, l'élu ou le reste de la postérité de la femme. Elle a été appelée l'épouse, ce que Dieu, dans sa préscience, a ordonné. C'est-à-dire que l'épouse sorte de l'église. Voyez-vous, toute la chose, c'est une église. Mais Dieu retire de cette église un peuple comme épouse. Il a dit qu'il le ferait. Il l'a fait. Oui, il le fera. Remarquez. Voyons comment il a procédé. Et de quelle manière et comment il a procédé. Nous voulons examiner maintenant cela, comme il a fait sortir Israël. Comment il l'a fait et de quelle manière il l'a fait. Quand le temps de la parole promise devait s'accomplir, Dieu a appelé Moïse par prédestination. Il l'a élu pour accomplir la tâche. Dieu a toujours exactement la personne qu'il faut au moment voulu. Rien ne fait défaut avec Dieu. Il l'a dit, ça ne peut pas faillir. Si ça faillit, alors Dieu faillit, puisque Dieu est la parole. Remarquez. La parole devait être manifestée. Et au moment où la parole devait être manifestée, relativement à une promesse, alors Dieu toujours envoie un prophète pour manifester cette promesse, parce que la parole du Seigneur vient à lui. Moïse avait été préordonné dans ce but, appelé à remplir cette tâche. Personne d'autre ne pouvait la remplir. Quand Dieu a appelé une personne pour un travail, personne ne peut prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place. Vous êtes particulier. Combien de fois je me suis dit que ça me sourirait de prendre la place de Roy Roberts. Ça me sourirait de prendre la place de Billy Graham ou quelqu'un comme ça. Faire comme Billy Graham, aller prêcher à l'auditoire, inviter les pêcheurs, s'avancer à l'hôtel, ne plus y penser, rentrer à la maison, ne pas être obligé de rester là et de lutter. Je ne peux pas être Billy Graham. Et Billy Graham ne peut pas être moi. Nous sommes tous les deux, je ne peux pas être Roy Roberts. Roy Roberts ne peut pas être moi. Chacun a une place dans l'économie de Dieu. L'un jeûne continuellement, est en communion avec Dieu, tandis que l'autre chasse les démons, parce que celui-là jeûne. Mais c'est tout le corps de Christ qui travaille ensemble, dans l'unité. Quand on voit ces barrières dénominationnelles qui nous divisent, c'est ce qui brise le cœur. Oui. Parce que c'est ce qui nous sépare. Nous sommes un. Il n'y a personne d'important parmi nous, personne de grand parmi nous. Nous sommes tous pareils, nous sommes des enfants de Dieu. Un seul est grand parmi nous et c'est Christ. C'est lui que nous devons reconnaître. Et si nous cherchons l'honneur les uns des autres, nous ne pouvons pas avoir la foi parce que nous avons foi les uns dans les autres. Nous devons avoir foi en Christ. Il est celui parmi nous en qui nous devons avoir foi et aussi avoir foi dans ce qu'il est en train de faire et ce qu'il nous a donné. Maintenant, personne ne pouvait prendre la place de Moïse, peu importe combien il fuyait. Combien il essayait de se défiler. Dieu sait pourtant ce qu'il fait. Il savait exactement ce qu'il devait faire pour façonner Moïse. Il fallait que ces choses arrivent. Maintenant, regardez. Personne ne pouvait prendre sa place. Maintenant, regardez. Dieu lui a donné un signe pour prouver son appel et ses affirmations lorsqu'il est allé en Égypte. Maintenant, Dieu, toujours, donne à un messager un signe et une voix de ce signe. Et ce signe identifie l'homme.
Si c'est écrit dans les Écritures, comme Jean, qui a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ils ont dit, es-tu le Messie? Je ne suis pas le Messie. Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme a dit le prophète Isaïe. Il pouvait s'identifier clairement. Et nous voyons là, Dieu, toujours, ne change jamais sa manière de faire. Il ne peut pas changer. Dieu fait tout exactement de la même manière. Quand il assemble son système, comme je disais ce soir, il a pris une décision. L'homme devait être sauvé par le sang répandu d'un innocent. Nous avons cherché par tous les autres moyens de procurer le salut à l'homme. Nous avons cherché à l'emmener quelque part. Là, nous avions bâti une ville. C'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Et ils ont bâti une tour. C'est ce que Nimrod a fait. Ils ont eu la loi. Et ils ont eu des temples. Ils ont eu des églises. Ils ont eu des organisations. Ils ont eu des systèmes d'instruction dénominationnels. Pour essayer d'amener l'homme à Dieu. Tout ça a complètement échoué. Ça va toujours échouer. Il faut en revenir au sang versé. La manière de Dieu de faire les choses est déclarée dans sa parole. Et cette parole est l'entière révélation de Jésus-Christ. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Quiconque fera cela, la Bible dit, que sa part sera retranchée du livre de vie de l'agneau. S'il y ajoute ou en retranche quoi que ce soit, prenez-la simplement telle qu'elle est écrite. La Bible n'a besoin de personne pour l'interpréter. Dieu est son propre interprète. Il l'interprète en faisant s'accomplir ce qu'il dit. Ça règle la question. Si Dieu l'a dit et qu'il accomplit, ça suffit. Il n'a besoin d'aucun interprète. La Bible dit qu'elle ne peut être l'objet d'aucune interprétation. C'est la façon de Dieu de faire. Toujours fidèle au signe qu'il a envoyé. Il le fait suivre de sa voix. Depuis que Dieu envoie un signe sur la terre. Dieu ne fait jamais rien, dit la Bible, sans l'avoir montré d'abord à ses serviteurs les prophètes. Si c'est faux, alors tout le reste est faux. Il ne fait jamais rien sans l'avoir montré. Et ce voyant, ce prophète, doit être identifié, c'est-à-dire ce qu'il prophétise. Nous voyons en Nombre 12, 6, que ce qu'il dit arrive. Alors croyez-le. Et si ça n'arrive pas, alors ne le croyez pas. Il faut, peu importe tout ce qu'il dit, combien la chose arrive et tout, si ça ne correspond pas à la parole, alors c'est encore faux. Il faut que ce soit en harmonie avec la parole. Il faut que ce soit en ordre avec la parole comme signe de ce temps-là, le temps où les gens vivent. Ceci, Dieu l'a promis de délivrer son peuple par une main forte. Maintenant, au moment de cette parole, il n'a pas appelé un prêtre, il n'a pas appelé un rabbin, il n'a pas appelé un administrateur, il a appelé un berger, là sur la montagne, un fugitif, un prophète né et ordonné qui ne voulait pas faire le travail. Quand vous entendez les gens dire qu'ils désiraient ceci, ça ou autre chose, remarquez, Dieu ne les utilise jamais. Dieu a été obligé de poursuivre Moïse pour réussir à l'avoir. Il a été obligé de poursuivre Paul pour réussir à l'avoir. Ce sont des hommes qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas faire ces choses. Alors Dieu va s'emparer de cet homme, de celui qui ne veut pas, afin de montrer ainsi sa gloire. Regardez. Tout signe véritable envoyé par Dieu est suivi d'une voix. Je ne sais pas si vous remarquez ici le sujet, le signe et la voix. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, alors ils croiront à la voix du deuxième signe. Maintenant, le signe a une voix. Et alors, tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix, et cette voix, il faut qu'elle parle selon la parole qui a été donnée pour ce jour-là. Juste exactement. Si la voix vient, c'est la même voix qu'avant, plutôt, un signe plutôt, un signe fait par un homme, si c'est la même vieille école de pensée qu'avant, alors vous pouvez tout de suite dire que ça ne venait pas de Dieu.
Si ça continue à identifier la même vieille école de pensée, il n'en a jamais été ainsi, jamais. Ça irait à l'encontre du programme de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Sinon, ce ne serait pas envoyé. On n'a pas besoin d'être envoyé si c'est la même vieille école de théologie. Il faut que ce soit quelque chose de différent. Cependant, identifier dans la parole que c'est pour ce jour-là. Voyez-vous, les certitudes de Dieu. Ça doit être ainsi. Aucune erreur possible. Il faut que ce soit la vérité. Il faut que ce soit confirmé par Dieu comme étant la vérité. Et l'homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant envoyé par Dieu. Sinon, c'est faux. Même pas du tout. On n'y croit même pas. Les signes viennent de Dieu. Le signe qui suit, ou la voix qui suit le signe, doit être la voix de Dieu qui parle de la parole pour cet âge-là. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne des signes. Pourquoi le fait-il? Il donne toujours des signes. Il leur a dit que c'est dans les signes qu'il cherchera à le voir. Dieu donne des signes pour attirer l'attention de son peuple. Maintenant, étudions ceci à fond. Voyez-vous, les signes sont donnés pour attirer l'attention des gens. Parce que quand un signe envoyé par Dieu est donné, c'est que Dieu est sur le point de parler. Dieu est sur le point de parler quand le signe est donné. Si ce signe vient du ciel, il vient de Dieu, et Dieu est sur le point de parler, il cherche à attirer l'attention des gens. Et la parole vient à son prophète. Et le prophète est identifié par le signe qu'il montre. Ensuite, il en vient à la parole et la parole est manifestée. Ça règle la question. Pas besoin d'interprétation. Et on a déjà fait l'interprétation. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Maintenant, remarquez. Dieu donne des signes pour attirer l'attention des gens. Ici, le buisson ardent était le signe pour attirer le prophète. Le buisson ardent, Moïse était dans le désert, faisant paître ses brebis, un berger de 80 ans, un long barbe, il marchait le long d'un sentier familier par un matin chaud, peut-être. Et tout à coup, il y avait un buisson en feu, et ce buisson ne se consumait pas. C'était tout à fait inhabituel. Or Moïse, qui était un savant, ce qu'il était, il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Ceci était le plus grand savant que nous avons aujourd'hui. Étant un scientifique, on se serait attendu à ce qu'il dise, « Bon, je vais aller voir quelle sorte de produit chimique on a vaporisé sur ces feuilles pour que cet arbre ne se consume pas. » Voyez-vous, s'il avait approché cela d'une manière scientifique, il ne lui aurait jamais parlé. Et c'est pareil aujourd'hui. Quand nous cherchons à nous approcher par l'école scientifique, vous allez passer à 1 million de kilomètres. Approchez-vous comme Moïse qui avait ôté ses souliers. Humble. L'humilité. Maintenant, c'était là le signe pour attirer le prophète. Maintenant, ce signe devait avoir une voix. Et quand cette voix a parlé, si elle n'avait pas été scripturaire, je ne crois pas que le prophète l'aurait écouté. Mais regardez combien la voix qui accompagnait le signe était scripturaire. C'était la preuve que c'était Dieu. C'était la preuve. Il a dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me souviens de la promesse que je leur ai faite. Le signe, puis la voix scripturaire derrière le signe. Maintenant, ça montre exactement ce que je viens de montrer en toile de fond. Il faut que ce soit un signe qui vient de Dieu, et si c'en est un, il y a une voix scripturaire derrière pour la promesse de ce jour-là. Non pas la même école qu'avant, les rabbins et tout ça. Eux, ils avaient étudié dans ces écoles et tout, toujours pareil, les sacrificateurs et tout le reste. Et voici quelque chose de nouveau. Et c'est scripturaire, c'est une promesse. Et il y a un signe pour attirer le prophète. Et alors il a dit, avant d'aller là-bas, il lui faut quelque chose pour confirmer comme prophète. Oui. Pour que les gens puissent ensuite le recevoir. Il a dit, ils ne admettront pas que le Seigneur m'est apparu. Il a dit, je te donnerai deux signes. Et cela attirera l'attention des gens. Et une fois que leur attention aura été attirée, alors dis-leur ces paroles. Je suis le Dieu d'Abraham.
d'Isaac et de Jacob. Et je me souviens de ma promesse. Je t'ai envoyé pour les délivrer. Je serai avec toi. Avez-vous remarqué son premier signe? Il a eu toutes sortes d'imitations de celui-ci. Tout le monde essayait de jeter un serpent. Ce n'est pas la tendance générale chez les gens, je ne sais pas quoi. Mais quelle sorte de voix avait-il derrière cela? Rien. La voix égyptienne du monde. Pourtant, ils pouvaient opérer le signe, mais ils n'avaient pas la voix derrière celui-ci pour l'appuyer. Mais Moïse, lui, avait le « ainsi dit le Seigneur ». C'était la différence. Finalement, les imitateurs ont continué longtemps comme ça. Mais finalement, ça fait son temps. Savez-vous que la Bible dit que ça se reproduira dans les derniers jours? De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. De même le feront des hommes, avec une mentalité réprouvée en ce qui concerne la vérité. Qui est la vérité? Jésus-Christ est la vérité. Un esprit réprouvé concernant la vérité. Maintenant, Jéhovah va parler par sa parole promise. Il faut donc qu'il prépare ce prophète avant de l'envoyer. En effet, c'est toujours dans sa ligne de pensée, c'est sa façon de faire chaque fois d'envoyer son prophète avec la parole et il confirme ce prophète. Et là encore, c'est un signe promis. Le prophète lui-même est un signe. La Bible le dit. Quand vous voyez s'écouler des laps de temps et qu'ensuite vous voyez considérer l'histoire de la Bible, étudiez-la. Chaque fois qu'on voyait s'écouler un laps de temps assez long, mais juste au moment où on voyait apparaître un prophète, c'est un signe de jugement. Dieu était sur le point de juger le monde quand il, la nation ou le peuple, quand on voyait arriver un prophète. J'ai déjà apporté une prédication là-dessus, les frères qui enregistrent s'en souviennent. Un véritable signe qui n'est pas considéré. Ils le négligent toujours, ils l'ont toujours négligé. Mais c'était un signe de jugement imminent. Maintenant, sa parole s'accomplit dans sa voix. Ce qu'il promet, alors sa parole, il l'accomplit par la voix. La venue d'un prophète est un signe d'avertissement, d'un jugement imminent. Ça a toujours été. Je vais vous en donner un exemple. Regardez Noé, qui a fait son apparition dans les derniers, dans les jours du monde antédiluvien. Un prophète, il prophétisait. Qu'est-ce qu'il y avait? Le jugement s'est abattu aussitôt après. Moïse est arrivé en Égypte. Un prophète confirmé, accompagné des signes d'un prophète. Qu'est-il arrivé? Le jugement s'est abattu sur l'Égypte tout de suite après. Élie est entré en scène, le prophète. Il a prophétisé à Akab et à cette nation. Qu'est-il arrivé? Le jugement s'est abattu sur elle tout de suite après. C'est vrai. Jean-Baptiste est venu. Il était un signe, il était un prophète. Un signe prophète venu sur la terre. Les gens savaient que quand il viendrait, le Messie parlerait après lui. Ça devait être. Parce qu'il fallait atteindre les élus. Le but de ceci, c'est d'atteindre les élus, ceux qui sortent comme du temps de Noé, comme du temps d'Élie, les 7000 ou les 700, quel que soit le nombre, de ceux qui n'avaient pas fléchi le genou, les appeler à sortir. Jean a appelé les élus à sortir. Il leur a mis ceci entre les mains de Christ quand il est venu. Il lui a remis son église, disant, il faut que je diminue et qu'il croisse, parce que je suis simplement une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Jésus est venu de la même manière. C'est ce qui prépare les élus à entendre la voix de Dieu. C'est ça, le signe prophétique. Oh, si vous suivez ces messages, préparez les élus. Pas les autres, eux n'entendront jamais. Ce sont les élus qui sont appelés. Vers qui cet ange qui a opéré ce signe à Sodome est-il venu? Vers Abraham et son groupe. Tenez-vous éloignés de Sodome, elle va être brûlée. Jésus a promis que ça se reproduira de nouveau pour cette Sodome-ci. Maintenant remarquez. Qu'est-ce que cela a fait? Préparer les élus à recevoir l'abri prévu par Dieu, comme à l'époque de Noé, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela fait? Condamner l'incroyant intellectuel à recevoir le jugement. Ça a toujours été. Quand on repousse la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Donc, cela prépare l'intellectuel et l'incroyant à recevoir le jugement, parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils condamnent la chose.
Et c'est pour cette raison que les Juifs ont mangé leur propre chair. C'est pour cette raison que le sang a ruisselé jusqu'à l'extérieur de la ville quand Titus, le grand général romain, l'a assiégé. C'est parce qu'ils avaient rejeté le Saint-Esprit. Le jugement était inévitable parce qu'ils s'étaient moqués de cela. Jésus leur avait dit au moment, il avait appelé Belzébul. Alors il avait dit, je vous pardonne. L'expiation n'avait pas encore été faite. Mais il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, parlez la même chose. Parlez contre lui ne sera jamais pardonné. Et cela n'a jamais été pardonné à cette génération-là. C'est exact. Le jugement pour l'incroyant. C'est présenté dans ce but. Donner la lumière aux croyants et les ténèbres pour l'incroyant. Tout comme la colonne de feu, c'était la lumière pour traverser le pays promis et les ténèbres pour ceux qui ne croyaient pas. C'est ce que fait toujours le signe de Dieu. Fermer les yeux de l'incroyant et donner la vue et la lumière pour marcher aux croyants. Voilà pourquoi il est envoyé. Si sa prophétie est vraie, si la prophétie du prophète est vraie, qu'elle s'accomplit, alors c'est l'avertissement de Dieu. Dans Nombre 12:6, nous voyons la même chose dans les Écritures. La Bible a été écrite par ces hommes. Si nous lisons dans 2 Pierre 1:21, il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'autrefois des hommes ont écrit la Bible. De même dans Hébreux 1:1, ce dont nous avons parlé l'autre soir, après avoir à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos prophètes, nos pères, les prophètes, Dieu en ces derniers jours a parlé par Jésus-Christ, lui-même son Fils, la colonne de feu, le signe, la voix, la voix allait parler, la colonne de feu dans le buisson. C'était une voix remarquable qui indiquait que Dieu était sur le point de parler. Remarquez. Que ce soit clair, ne manquez pas ceci. Quand Myriam s'est moquée de son frère Moïse, et elle était prophétesse, quand elle s'est moquée de lui, et que Dieu est descendu dans cette colonne de feu, Moïse a su que Dieu était sur le point de parler, c'était un signe. Et la voix qui accompagnait ce signe a dit, ne craignez-vous pas Dieu? Il a dit, il n'y a personne dans le pays comme mon serviteur Moïse. Ils ont fait la même chose quand ils se sont soulevés, quand Dathan s'est soulevé, et Corée, dans la révolte de celui-ci. Il y a d'autres hommes saints par toi, tu te crois le seul, du coup Dieu avait destiné Moïse à remplir cette tâche. Et alors qu'il voulait amener un autre groupe de gens à les suivre, qu'il voulait former une organisation, il a dit, c'est par toi d'eux, je vais les condamner. Je vais les consumer. Le monde les a emportés. Maintenant, nous voyons que cela a toujours été la manière de faire de Dieu. La colonne de feu indique que la voix est sur le point de parler. Oh, Texas! Comment pouvez-vous être si aveugle? Vous vous souvenez encore de Houston? Maintenant, il y a une voix qui accompagne le signe. Moïse. Le signe d'un prophète pour Israël. La promesse que la parole est sur le point d'être confirmée. Comme la parole de Dieu est parfaite, bien réglée à chaque coup. C'est comme l'Urim Thummim, dont je parlais l'autre soir. Il était là. Et à moins que ce signe ne se reflète sur l'Urim Thummim, la voix n'était pas reconnue. Il faut qu'il y ait un signe. Le signe confirme la voix. Et la voix confirme le signe. Ce qui montre qu'il vient de Dieu. La voix du signe, c'est ce qui parle, qui dit oui ou non. Si Dieu l'a refusé, alors la voix dit non. Si le signe était là, Dieu avait dit oui. L'ordre établi par Dieu n'a jamais changé. Nous pourrions passer des heures là-dessus. Ça n'a jamais changé. Regardez Jonas, le prophète. Regardez ce signe-là. Il était en route pour Tarsis. Il allait se rendre à Ninive. Il avait pris une route qui menait à Tarsis. Beaucoup ont condamné Jonas. Jonas ne mérite pas d'être condamné. C'était un prophète. Les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur.
Et il s'était mis en route vers Tarsis et nous voudrions condamner cet homme. Mais Jésus, lui, ne l'a pas fait. Remarquez, il a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ça devait être un signe. De même, le Fils de l'homme devrait être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et une génération méchante et adultère recherche un signe. Et il ne lui sera donné aucun signe de la part de Dieu, souvenez-vous-en, si ce n'est le signe de Jonas. Qu'est-ce que c'est le signe de Jonas? La résurrection. Et cette génération-ci est cette génération sodomite, adultère. Adultère spirituel, commettant des fornications spirituelles contre la vérité de Dieu, se moquant d'elle. Une génération méchante et adultère cherche un signe et elle le recevra, ce sera le signe de la résurrection. Regardez, Jonas, ces gens-là, c'était des païens. C'était une grande ville commerciale. Son industrie principale, c'était la pêche. On expédiait du poisson partout dans le pays. Les hommes étaient des pêcheurs, c'était leur métier. C'était des païens qui adoraient des animaux, des idoles. Ils étaient devenus très méchants. Et comme cette nation l'est actuellement, remplie de sexe et d'Hollywood, et de toutes sortes de choses, jusque dans les églises. Et remarquez ce qui se passe. Bien, parfois, même le sexe appeal dans l'église, on l'appelle moderne. Comment cette génération, cette nation pourra-t-elle subsister avec de telles choses? Vous vous dites chrétien et vous réglez votre conduite sur ce genre de choses, comment pourrait-elle subsister? Mon ami Jack Moore disait il y a des années, si Dieu ferme les yeux sur ce qu'a fait cette nation, il sera obligé, en tant que Dieu juste, de ressusciter Sodome et Gomorre, de s'excuser de les avoir brûlés. Vous êtes liés pour le jugement. Il faut l'admettre, il n'y a pas moyen de faire autrement. Notez ça dans vos Bibles, je deviens vieux. Vous verrez si elle ne va pas être jugée. Si j'ai une longévité normale, une durée de vie normale, je serai là pour voir cela. Encore quelques années et ce sera là. Jonas. Ils étaient tous là en train de pêcher vers midi. Et voilà, le dieu de la mer qui arrive, la baleine, qui s'avance vers le rivage et qui crache le prophète sur le rivage. Quel signe! Dieu leur a apporté son prophète avec un message. Là, ils ont vu le signe. Ils croient à ce signe. Maintenant, quel est le message? Repentez-vous. Voilà la voix du signe. La voix du signe, c'est repentez-vous. Sinon, dans 40 jours, vous périrez. Ils ont assez de bon sens pour se repentir. Jésus a dit, ils condamneront cette génération. Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, un plus grand que Jonas est ici. La voix c'était « Repentez-vous, sinon dans 40 jours vous serez consumés ». Jean le prophète apparu, le signe d'un prophète qui apparut alors qu'il n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Ils avaient eu tous des intellectuels. Je vois ici la confusion où ils étaient. 400 ans sans prophète. Mais le moment de la venue du Messie approchait. Maintenant, Jean était le signe, étant un prophète, que le Messie était sur le point de parler. La voix du signe. En effet, dans Malachie 3, nous voyons, j'enverrai mon messager devant ma face. Élie devait venir devant sa face. Et Élie est venu. Jean, avec l'esprit, la puissance d'Élie, est venu et a fait exactement ce que les Écritures avaient fait. Et ils ne l'ont pas compris. C'est ce que dit l'Écriture. Il était le signe, un signe prophète qui indiquait que le Messie allait parler. Ce prophète le savait, il le savait si bien qu'il a déclaré, « Eh bien, au milieu de vous, il y a quelqu'un en ce moment même. Ce Messie dont je parle est au milieu de vous. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi, je baptise d'eau pour amener à la repentance. Mais il vient après moi, il est au milieu de vous maintenant. »
Un jour, il a vu s'approcher un jeune homme, il a vu cette colonne de feu sous la forme d'une colombe qui descendait du ciel, et une voix a dit, « Voici mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. » En qui je me plais de demeurer, c'est simplement le verbe qui précède l'adverbe, c'est pareil. En qui je me plais à demeurer, ou lui en qui je me plais à demeurer, ça ne change rien à faire. Remarquez, je me plais à demeurer en lui. J'en dis, j'en rends témoignage. Celui qui m'a parlé dans le désert, pas dans le séminaire, dans le désert, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, amen, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et j'en rends témoignage. C'est la vérité. Qu'est-ce que c'était? Ce prophète était le signe que le Messie était sur le point de parler. Qui était le Messie? Le Messie, c'était la parole dans sa plénitude. Il était la plénitude de Dieu. Les prophètes étaient une petite lumière vacillante, mais en lui, il y avait toute cette lumière dans ce Messie. Car il était le Dieu manifesté qui s'est fait Emmanuel, Dieu parmi nous dans une chair humaine. Le Messie était sur le point de parler. Et remarquez, la Bible dit que la parole du Seigneur vient au prophète. Voici Jean, celui de qui Jésus a dit qu'il était le plus grand prophète qui ait jamais vécu. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 11. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme agité par tous les vents, cette dénomination-ci qui dirait « Je te donnerai plus ». Non, pas Jean. Non, un homme qui se laisse marcher sur les pieds bluffés. Non, c'était un prophète rude. Et qui ne mâchait pas ses mots. Et doit aller voir un homme en grande tenue qui porte la soutane. Il ajoutait, non, eux, ils demeurent dans les palais des rois. Ils marient les jeunes, ils embrassent les bébés, ils enterrent les vieux, ces gens-là. Ils ignorent tout d'une épée à deux tranchants. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il a dit plus qu'un prophète. Bien sûr, il était le messager de l'Alliance. Celui que Dieu avait promis d'envoyer. Remarquez, voici Jean qui est dans l'eau en train de baptiser. Et il dit, il vient. Et voici la parole. Il n'est plus au ciel, mais faite chair. La parole faite chair. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Quel est l'ordre établi dans l'écriture de Dieu? La parole est venue au prophète, juste là, dans le désert. Là, dans l'eau, la parole est venue au prophète. Jean levé les yeux, il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Ce cher frère, le docteur Davis de l'église baptiste missionnaire, qui m'a baptisé dans la foi chrétienne, s'il est ici ce soir, je ne dis pas ça pour le blesser, c'est qu'il habite ici au Texas, dans la région de Davis Mountains. Je me souviens qu'un jour, nous avions discuté là-dessus, je n'étais qu'un jeune homme, et j'ai dit, ça ne sonne pas juste, docteur Davis. Il disait, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, Jésus a baptisé Jean. Après quoi, Jean a baptisé Jésus parce que Jean n'avait pas été baptisé. Ça ne me semblait pas juste. J'ai continué à attendre, à veiller, à me demander ce qu'il en était. Je ne voulais rien dire à ce sujet. Mais un jour, le Seigneur l'a révélé. Maintenant, remarquez ce que Jésus a dit. Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Alors pourquoi viens-tu à moi? Jésus a dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Jean savait qui il était. Il y avait là les deux leaders du monde, les deux leaders de l'Église. Dieu et son prophète se trouvaient là ensemble. Maintenant, regardez bien. Ils étaient bien placés pour le savoir. Jésus a dit, laisse faire, c'est juste, c'est convenable que nous accomplissions tout de justice, la parole promise. Le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Jean a baptisé Jésus parce qu'il était le sacrifice. Le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Il s'est avancé là, et le sacrifice a été lavé, puis il a été présenté comme il se doit. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Il est remonté sur la rive, et voici l'Esprit de Dieu descendu sur lui, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Voyez-vous, c'est là qu'il a été présenté au public. Mais avant que le sacrifice puisse être présenté, il devait d'abord être lavé. C'est la loi de l'Ancien Testament. Très bien. Le Messie était sur le point de parler, puisqu'il avait là le signe du prophète. Et quand ils ont vu arriver ce prophète, après cette période de 400 ans sans prophète, ils savaient que la prochaine voix serait celle du Messie. Maintenant, vous qui lisez la Bible, réfléchissez sérieusement pendant quelques minutes.
En observant sa nature, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas reconnu? Comment se fait-il qu'il n'était pas reconnu que c'était lui, Jean? Sa nature avait été identifiée, son esprit et sa nature avaient été identifiés comme étant ceux d'Élie. Maintenant, remarquez de quel esprit il s'agit. Or, c'était lui, Jean-Baptiste, mais l'esprit d'Élie était sur lui. Remarquez, premièrement, Élie était un homme qui aimait le désert. Voyez? De même, Jean était un homme qui vivait dans le désert. Et Élie était un homme qui avait condamné de toutes ses forces le système des organisations à cette époque. Jean aussi. Vous, génération de serpents, qui vous a appris à fuir la colère? Ne mettez pas dire j'ai ceci, cela, autre chose. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voyez les deux natures? Et regardez Élie. Il avait condamné toutes ces Jézabel au visage fardé de son époque, ces femmes immorales. Et Jean, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose avec Hérodias. Pour toutes les deux. Tous les deux, c'est une cause de mort. Regardez Élie. Après avoir accompli ce travail important, il était mélancolique. Il s'est couché là-bas, il a prié Dieu de venir le chercher. Jean a fait la même chose. Même il était couché là-bas, il a envoyé ses disciples en disant, allez lui demander, est-ce que c'est bien lui, devons-nous attendre un autre? Jésus le savait. Il était Élie. Il fallait qu'il soit de cette nature-là. Il était parfaitement identifié à ce qu'Élie avait été. Il était dans l'esprit d'Élie. Cet esprit-là, il doit venir cinq fois. Élie, Élisée, Jean, Malachi 4, et ensuite pour les Juifs. Le dernier jour, nous y sommes ce soir. L'esprit d'Élie. Remarquez, maintenant, aujourd'hui, je veux que vous considériez le prophète Ahab contemporain que nous avons aujourd'hui. Ils laissent leur Jézabel se couper les cheveux, se farder le visage, porter des shorts, fumer la cigarette, faire n'importe quoi, c'est OK. Nos prophètes Ahab d'aujourd'hui suivent la tendance de leurs écoles, bien sûr. Ils mènent les gens par des credos faits de main d'homme et par des dénominations. Qu'est-ce que c'est? Des prophètes Ahab. Nous avons besoin d'un autre Miché qui entre en scène. En du temps d'Ahab, c'est Élie qui est entré en scène. C'est lui qui avait été promis. En disant les gens, laissant suivre la voie qui leur plaît. Sinon, ne traitent pas bien de ce côté, ils diront de ce côté-là. Adhérer à ceci tout en continuant à maintenir leur profession de foi chrétienne. Et bien, ils n'ont jamais été sauvés au départ. Leur nature même le prouve. Peut-on cueillir des raisins sur un arbuste épineux? Peut-on faire produire des pastèques à un plant de citrouille? Leur nature même démontre qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec la parole. Ils s'en moquent et ils la blasphèment. Alors qu'il est écrit, ainsi dit le Seigneur, ces choses doivent arriver. Et ils tournent cela en dérision, ils s'en moquent. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, la reine du Midi se lèvera avec cette génération dans les derniers jours et elle la condamnera. Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour voir un homme qui avait un don de sagesse. Il a dit, il y a ici plus grand que Salomon. Bien sûr, Salomon, c'était son époque, c'était l'une des époques les plus glorieuses. Les gens ont tous eu foi dans ce don que Dieu leur avait donné, en Salomon. Sa renommée s'était répandue partout. Qu'en serait-il de nous, les gens aujourd'hui, nous les Américains, nous cherchons toujours à élaborer un programme contre le communisme. Le programme de Dieu, le voici. Repentez-vous, tournez-vous vers Dieu. Un programme, si les gens agissent simplement en fonction de celui-là, pensez plus au communisme. L'homme d'Israël avait cru à ce don que Dieu avait donné. Si l'Amérique voulait simplement donner, croire au don que Dieu nous a donné ce dernier jour, son Fils, sous la forme du Saint-Esprit, ressuscité des morts, vivant parmi nous selon sa promesse. Si seulement nous chérissions cela, cela n'atteindra que les élus, car nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donné, ils viendront. Il suffit de semer la semence, elle tombe, une partie de ce côté, une autre de ce côté, et on sème la semence de toute façon. Elle prendra racine où elle se trouve, ils la saisiront. Remarquez, ils en étaient là, et nous voyons que ce jour-là, Ahab, cette nation avait amené ces Israélites à faire tout ce qu'ils voulaient tout en continuant à faire profession d'être Israélites. Comment Élie a condamné cette génération-là?
de tout son être, et Dieu a confirmé qu'il était prophète. Juste avant la venue, Jean fait la même chose. Il s'est avancé tout droit en Israël. On avait marié cette femme à Hérode, la femme de son frère Philippe. Il s'est avancé tout droit vers lui. Il l'a affronté. Il n'a pas épargné ses mots. Il n'avait peur de personne. Il n'avait pas de carte d'association. Il s'était associé avec Dieu seul. Il était son prophète. La parole était avec lui. Il n'avait pas à aller interroger aucun évêque, ni diacre. Il était loin, il avait la parole. Il s'est avancé tout droit vers lui. Il lui a dit en face, il ne t'est pas permis de la voir. C'est vrai, il n'a épargné personne. Ces femmes méchantes qui commettaient adultère, qui se conduisaient mal. C'est comme Amos, quand il est entré en scène, il a promené le regard là-bas, nous ne savons même pas d'où il venait. Oh là, quel regard il a dû poser sur la ville de Samarie. Les touristes, eux, la trouvaient toute belle, avec ses prédicateurs, tout en harmonie, avec les nations et les connivences avec les nations, et tout le monde. Il vivait dans le péché. Il a plissé les yeux, son crâne chauve luisait. Et ainsi il s'est présenté là. Il ne payait pas de mine, mais il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Nous avons besoin qu'un Amos entre en scène aujourd'hui. Serait-il bien reçu chez nous? Certainement pas. Pas plus que lui. S'il entrait en scène, il démolirait chaque organisation, chaque dénomination, chaque femme qui porte des shorts, chaque Jézabel aux cheveux coupés. Il réduirait en pièces. Les gens le jetteraient à la rue en disant cette espèce de fanatique. Mais il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Les dénominations le recevaient. Non, il n'y avait personne pour sponsoriser son programme. Est-ce que cette grande et belle ville de convoitise qu'était Samarie, est-ce qu'on y ferait bon accueil à ce petit homme, un inconnu qui n'avait pas de carte d'association, que personne n'aidait ni rien? Il n'avait de soutien de personne. Il n'avait pas de carte d'association. Il était sorti d'aucune école. Mais il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Et sa venue en tant que prophète était un signe. Sa voix venait de Dieu. Elle a été identifiée au temps de Jéroboam le II. Tout ce qu'il dit, c'est accompli. Maintenant, nous voyons qu'en ce jour où nous vivons, c'est tout simplement la même chose qui se reproduit de nouveau. Les ministres, les gens, ils ont honte de prendre position en chair. L'évangile, et pour eux, ce n'est plus qu'un gagne-pain. Ils ne veulent pas se prononcer de peur qu'un homme les exclue de ceci, de cela, autre chose. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse vous exclure du ciel, et c'est Dieu. Comment pouvez-vous être exclu du ciel alors que vous vous en tenez à sa parole? C'est pour cela qu'il vous a envoyé. Souvenez-vous, la Bible dit que c'est en un temps semblable qu'au jour d'Élie. En un jour semblable au jour de Jean, que Malachi 4 va revenir sur la terre de nouveau. J'enverrai Élie, ne confondez pas avec Malachi 3 maintenant. J'envoie mon messager devant ma face. C'était Élie aussi. Mais dans Malachi 4, il a dit, juste avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, où la terre entière sera ardente comme une fournaise, et où les justes sortiront en foulant la cendre des méchants, c'est ça le millénium. J'enverrai Élie, le prophète. Et que fera-t-il? Il ramènera la foi des enfants au Père apostolique, à la parole. Il devra être un prophète. Je l'enverrai. Il sera parfaitement identifié. Sa nature sera la même qu'Élie. Exactement. Son message sera exactement du même genre. Il condamnera, il démolira. Aucune association, aucune collaboration, rien du tout. Mais il aura le « ainsi dit le Seigneur ». Maintenant, souvenez-vous, toutes sortes de groupes se sont levés en disant, voici le manteau d'Élie, c'est ceci, c'est la doctrine d'Élie, c'est ceci. Tout un groupe, une organisation qui devient le groupe d'Élie, le manteau d'Élie. Ce n'est pas les Écritures. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe. Quand Élie est entré en scène, et Jean-Baptiste aussi, tous les deux ont condamné les groupes et l'organisation. Jamais ils n'ont fait ça. Ils condamnent ces gens, leur conduite. Élie et Jean, tous les deux, non pas un groupe, ni une dénomination, mais tous les deux, chacun à son époque, ils ont condamné les groupes et les organisations. Quoi alors? Le signe du temps de la fin accompagnera certainement la voix du temps de la fin. Élie doit entrer en scène, un homme loin de cet esprit-là.
un homme des bois et tout, un amoureux des bois qui entrera en scène pour confirmer cela. Maintenant, remarquez ce que disent les Écritures. Pour ne pas être séduit, le signe du temps de la fin est la voix du temps de la fin. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe, nulle part dans les Écritures. Il traite avec un seul individu parce que tous les hommes sont différents les uns des autres. Tous les hommes, nos pouces sont différents, nos nez sont différents, nos actions sont différentes. Il met la main sur un seul homme pour pouvoir amener celui-ci à être en harmonie tellement parfaite avec la parole qu'il deviendrait la parole. C'est pour ça que Paul a dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de cette révélation, il m'a été donné un messager de Satan. Voyez-vous, Matthieu a écrit, Luc a écrit, Marc a écrit, tout cela. Vous avez seulement suivi Jésus. Mais Paul, lui, avait la révélation de qui il était. Voyez-vous, c'est ça qu'il voyait. Il en avait une si grande révélation qu'il lui a laissé écrire la Bible comme Moïse de l'Ancien Testament. Ce grand homme, Paul, cette révélation qu'il avait, il savait que le Jésus du Nouveau Testament était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il en avait la révélation pour la placer aux Hébreux, aussi aux Romains, aux Éphésiens et à tous. Il a écrit ces lettres. Remarquez, après la sortie de son signe, alors il a écrit les lettres. Cette nature à la venue sera la même. Ce ne sera pas un groupe. Ce sera un seul homme. Dieu n'a jamais traité autrement que par un seul homme. Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu. Dieu dans Malachi 4 ne dit pas j'enverrai un groupe. Il a dit j'enverrai Élie. On ne peut pas changer la parole. Maintenant, regardez, le signe et la voix du temps de la fin viendront selon l'ordre établi par les Écritures comme promis. Nous voulons savoir quel sera le signe de la fin. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24 et 25, il nous l'a aussi dit dans Apocalypse, tout au long, depuis le chapitre 6, le chapitre 1, jusqu'au chapitre 10. Puis il arrive au chapitre 19. Le millénium commence quand il arrive, monté sur un cheval blanc. Il viendra, ce sera ce signe du temps de la fin. Maintenant, écoutez, je termine par ceci. Il viendra exactement comme l'Écriture le dit. Maintenant, remarquez. La voix du signe. Jésus, dans Luc 17, 30, a promis ce signe du temps de la fin. Le dernier signe, c'était Dieu manifesté dans un corps humain qui a pu discerner les pensées de l'esprit de Sarah qui se trouvait derrière dans la tente. Voilà ce qu'il a dit. C'est le signe qu'il a promis pour la fin. Est-ce qu'il a dit qu'il se produirait? Ce serait connu dans les jours, les derniers jours, quand le Fils de l'homme sera révélé. Quand le Fils de l'homme est révélé, alors le Fils de l'homme sera révélé. C'est par ce signe qu'il sera révélé. Maintenant, voyez si ce n'est pas ce qui est dit, absolument. Voyez-vous dire que non, ce sera quelque chose d'autre. Non, ce sera de construire un grand édifice, un grand ceci ou cela, conseil œcuménique ou quelque chose d'autre. Non, 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 pas ça. C'est complètement à côté de la plaque. Ça, c'est du côté opposé. C'est contraire à ce que Dieu a dit de faire. Remarquez, ce que nous avons dit là, les Écritures correspondront parfaitement. En effet, nous avons déjà le signe de Sodome dans le plan naturel. Quand y a-t-il déjà eu autant d'homosexuels, de perversion et tout ça qu'il y en a maintenant? Une génération méchante et adultère, alors qu'on ne peut même pas allumer la télévision sans qu'il y ait ces espèces de grossièreté, d'obscénité qui viennent de Hollywood. Même des gens qui se disent chrétiens, au lieu d'aller à la réunion de prière, restent à la maison pour regarder des choses pareilles. Ça montre quel esprit il y a en eux. C'est vrai. Et les femmes s'habillent exactement comme ces femmes-là. Les hommes se laissent mener par le bout du nez par elles, comme ils le font là-bas. Est-ce que nous allons prendre exemple sur Hollywood, ou bien si nous allons croire ce que dit la parole de Dieu? Et ce même groupe de gens, quand ils voient la parole de Dieu confirmée, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent parce qu'ils sont morts. Éternellement morts. Ils n'ont jamais été en vie. S'ils avaient été en vie, ils le seraient pour toujours. Ils sont éternels, mais ils n'ont jamais été en vie. Ils ont toujours été morts. Bon, ils auront peut-être des manières très raffinées, croiront ceci, cela. Jésus a dit hypocrite aux sacrificateurs de cette époque. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle? Vous m'appelez bon rabbi ou bon maître. Ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur.
Il voyait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il était la parole. La Bible dit la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. Ce signe de Sodome est réapparu sur le plan naturel. Et si tout est bien en place, exactement tel que ça doit être sur le plan naturel, alors comment pouvez-vous faire abstraction du plan spirituel, penser qu'il n'est pas ici en même temps? Les deux cadres sont là. Oui, sur le plan naturel, tout le monde est d'accord que c'est vrai. Mais oh, sur le plan spirituel, ils ne veulent pas croire ça parce que ça dérange leur doctrine. Luc 17 est le signe. Luc 17 est le signe dont Jésus a parlé, c'est-à-dire que dans les derniers jours, les nations, les églises et les peuples seraient exactement comme c'était à Sodome. Le monde des nations, juste avant que Sodome soit brûlé, et qu'il y aurait un groupe qui serait dans l'attente, comme Abraham. Retournez voir, alors que Jésus a dit, il en sera comme au temps de Sodome. Retournez voir comment c'était à Sodome. Il lisait la même Bible que nous. La même Bible. Maintenant, retournez voir comment c'était. Il y avait là un groupe élu, appelé à sortir, le groupe d'Abraham. Eux attendaient un fils promis. Les sodomites, eux, n'en croyaient rien. Et il y avait celui qui était tiède, le membre d'église, qui se trouvait dans Sodome. Regardez ces trois anges qui sont venus à chacun d'eux. Observez quels signes ils ont opérés. Alors vous verrez au milieu de quels signes nous vivons. Voilà quel sera le signe. Et la voix du signe sera Malachi 4 de restaurer les gens à la foi apostolique des pères. Voilà le signe, voilà la voix qui concorde parfaitement avec les Écritures. Voyez, le signe, c'est le signe qu'il y a eu à Sodome. Dieu manifesté dans des êtres humains. Et il a dit, où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter au temps fixé, comme je te l'ai promis. Il a dit, Sarah qui était derrière lui a dit, comment est-ce possible alors que je suis une vieille femme et lui un vieil homme, mon mari là-bas. Il a dit, nous n'avons rien de cela entre nous. Elle a dit, c'est carrément impossible. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté de cela? En disant dans son cœur, comment ça peut-il? Jésus a dit que cela se répéterait. Maintenant, souvenez-vous, Abraham appelait cet homme Elohim, Dieu. Dieu, ça devait être lui. Pourquoi il pouvait discerner les pensées exactement au temps marqué. Et Elohim, le Saint-Esprit, pas une autre personne, la même personne, reviendrait dans l'église et ferait la même chose. Et ce serait le signe. Et la voix, ce serait de les appeler à revenir à la parole. Restaurer la foi des enfants au Père. Voilà le signe et la voix. Les signes, habituellement, on les accepte, mais la voix, non. Les gens n'aiment pas la voix, et le signe, ça, ils l'acceptent, généralement. Ils aiment le signe, parce qu'ils aiment regarder ça, ça les divertit. Mais la voix, ça, ils ne veulent pas l'accepter. Souvenez-vous, maintenant la voix, reportez-vous de nouveau à la parole. Le signe messianique de Jésus selon Ésaïe 35, le boiteux sautera comme un cerf. Tout cela, c'était merveilleux. Oh, ça, ils l'ont accepté. C'était bien, ils y ont cru. Ils ont cru au signe. Viens, Rabbi, à mon église. Nous t'apporterons toute notre collaboration, bien sûr. Nous croyons en toi, tu es le merveilleux. Tu es le rabbin, tu es le jeune prophète. Viens, toute la collaboration possible. Le signe est merveilleux. Mais quand la voix s'est faite entendre et a dit, moi et le Père, nous sommes un. Oh là là, vous ne pouvez pas le croire, tu te fais Dieu. Ils ne voulaient pas la voix. Ils aimaient le signe. Ils savaient, ils reconnaissaient que c'était le signe du Messie. Mais la voix, ça, ils ne l'aimaient pas. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ils ont dit, les Belzébuth. Il a dit, génération de serpents. Oh, ils haïssaient cette voix-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé cette voix du milieu d'eux. Ils l'ont mis dehors. Jésus a dit, s'ils appellent le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Souvenez-vous de l'Apocalypse 3 et à l'âge de l'Odyssée. L'Odyssée
C'est maintenant le signe de Sodome doit venir. La voix revenir à la parole, loin de ses credos et de ses dénominations. Revenir à la parole quand elle est venue selon l'Apocalypse 3. Il a été jeté hors de l'église. Tout comme alors. Le signe, c'est très bien, mais pas la voix. Ils ne veulent rien avoir à faire avec la voix. Non, non, la voix. Et Moïse a dit, que Dieu a dit à Moïse, s'ils ne veulent pas croire la première voix, le premier signe, essaye de le faire accepter la deuxième voix. Et c'est là s'ils refusent, alors va chercher de l'eau et répondre sur la terre. Avec ça, c'est réglé. Comment dire, là, ce coup-là, la poussière de tes pieds, comme Jésus a dit, prends de l'eau du fleuve, répands-la sur la terre, elle deviendra du sang pour montrer que c'est ça qu'elle sera baignée de sang. Et voilà, c'est exactement ce qui est arrivé. S'il n'avait pas cru au signe, alors le troisième signe touchait vraiment le but. Tous les ministères ont trois signes s'ils ont été envoyés par Dieu. Jésus a eu trois signes, Moïse a eu trois signes, Noé a eu trois signes, Élie a eu trois signes. Pour toutes ces choses, il y a trois signes. Remarquez. Écoutez, mes amis, il se fait un peu tard. Oh là là, je ne savais pas qu'il était si tard. Si vous pouvez croire au signe de Sodome dont il est fait mention dans Luc, voyez, tel qu'il l'a promis, croyez au signe de Sodome, alors pourquoi ne pouvez-vous pas accepter la voix de Malachie 4 qui suit le signe disant de revenir à la parole? La Bible le dit, vous le voyez. Alors écoutez la voix du signe. Fuyez la colère à venir. Ne pensez pas, parce que je fais partie des assemblées de Dieu, des méthodistes, des baptistes, presbytériens, ça me donne le droit d'entrer. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Tournez-vous vers la parole. Abandonnez votre mondanité, vos systèmes organisés et tout ça. Dieu les détruira de dessus la face de la terre. Il les enverra au fond de la mer de l'oubli, comme il l'avait fait dans le cas de l'Égypte, au moment où il a appelé Israël, une nation à sortir d'une nation, quand il appellera l'épouse à sortir de l'église. Celle-ci passera par les tribulations et la terre sera baignée de son sang. Fuyez la colère à venir, car elle est proche. Mais pas voyez ces choses, je ne sais pas. Je suis seulement responsable de les lire et d'en parler. À vous de décider. Si vous pouvez croire au signe, croire la voix qui suit le signe. Oh là là, regardez Moïse, le type. Maintenant de sortir, c'est lui qui devait parler à ces gens d'une promesse qui avait été faite au Père. Je me souviens de la promesse que j'ai faite à leur Père. Et alors, qu'est-ce que Moïse devait faire? Ramener le cœur des gens à ce que les Pères avaient dit. De même que Moïse devait le faire en ce temps-là, de même Malachie 4 doit ramener les gens à la foi des Pères. Au milieu de tout ce méli-mélo des dénominations et tout, revenez à la parole. Je sais que vous, beaucoup de gens aiment à le faire. Ce n'est pas juste pour vous ici que je réprimande. C'est dans le monde entier, voyez-vous, partout. Ce n'est pas à vous que j'adresse la réprimande, mais j'adresse la réprimande à quiconque est concerné, n'importe où. Je suis un semeur de semences, c'est tout ce que je peux faire. La décision, c'est à vous de la prendre. Fuyez la colère à venir. Ne pensez pas parce que vous êtes pentecôtiste. Ne pensez pas parce que votre mère était une bonne méthodiste sanctifiée ou que votre papa, un bon baptiste qui poussait des cris. Ne pensez pas que ça aura quelque rapport avec quoi que ce soit. Ne pensez pas parce que vous êtes membre de l'église qu'ils ont construite, toute l'église que vous êtes en train de construire. Ne pensez pas parce que vous, les pentecôtistes, il y a 40 ans, vous avez parlé en langue, dansé dans l'esprit, couru d'un bout à l'autre de la salle. Ne pensez pas que parce que vous avez fait des réunions de guérison et tout, ne manquez pas de voir ce signe, une colonne de feu que Dieu a confirmé et la voix derrière cela. De se tourner vers Dieu, de revenir à lui. Ne laissez pas cela passer à côté de vous. Il y a un signe, il y a une voix. Quand un homme arrive avec un signe de la même école de pensée qu'avant, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne vient pas de Dieu. Oh là là. Aplanissez ces sentiers maintenant. Vous y croyez?
Alors retournez aux aveugles et dispersés vers les vôtres. Le compositeur dit, les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que la Bible a prédits, les jours des gentils sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez aux dispersés vers les vôtres. Revenez, revenez. Le prophète a dit, il y aura de la lumière au temps du soir. Juste avant que le soleil s'obscurcisse complètement, il y aura de la lumière. Marchez dans la lumière pendant qu'il y a de la lumière. Bientôt le conseil œcuménique vous aura, et alors il n'y aura plus moyen d'avoir de la lumière. Inclinons la tête. Père Céleste, c'est entre tes mains, j'ai semé les semences, je ne sais pas où elles sont tombées. Je te prie de les bénir où qu'elles soient. Puissent-elles s'implanter très profondément, extirper tous les endroits pierreux, déraciner toutes les ronces en quelque sorte et éliminer toute l'incrédulité. Accorde-le, Père. Nous te remettons maintenant ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous avez la tête inclinée, les yeux fermés. Demain soir, il y aura un banquet. C'est aux pécheurs de la ville. Le Seigneur le veut que je devrais parler. En ce moment, je parle à une assemblée mélangée. Je n'oserais pas prêcher ceci. Je voudrais que les rendre plus aveugles que jamais à une réunion comme celle-là. Mais vous, ce soir, croyez-vous que vous avez vu le signe et pouvez-vous entendre la voix? Si vous ne l'avez vu et que vous croyez, et vous qui ne l'avez pas fait, mais qui croyez, qui ne l'avez pas encore accepté, Christ dans sa plénitude, voulez-vous lever la main? Toutes les têtes sont inclinées maintenant, tous les yeux fermés. Levez la main. Souvenez-vous de moi, frère Branham, pendant que vous priez. Je le ferai volontiers. Que Dieu vous bénisse. Notre Père Céleste, la Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Je prie, Seigneur, que ces gens qui ont levé la main vous signifiez qu'ils croient, s'ils n'ont pas été baptisés du baptême chrétien, puissent-ils trouver l'église où on le fait et se faire baptiser. Accorde-le, Seigneur. Qu'ils ne soient pas seulement baptisés d'eau, ce qui n'est qu'un signe extérieur qui indique que quelque chose s'est produit à l'intérieur. La Bible dit, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et ce baptême-là est un baptême spirituel. Le corps qui est lavé, ça ne sert qu'à illustrer ou à signifier que quelque chose s'est produit à l'intérieur. Mais c'est l'âme, c'est elle qui doit être baptisée du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce qui est éternel doit entrer dans cette nature humaine et changer cette nature pour en faire un croyant. Je prie qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je te les confie maintenant comme des trophées du message et de la grâce de Christ. C'est en son nom que je prie. Amen. Maintenant, avec la tête inclinée, avec respect, il me reste 7 minutes. Je ne pourrais pas terminer à l'heure. Je ne pourrais pas faire une ligne de prière en si peu de temps. Je vais vous demander de rester assis à votre place. Je suis désolé de vous avoir plus si longtemps. Nous allons prier pour chacun. Vous ici, ceux qui ont des cartes de prière, ne vous en faites pas. Nous occuperons de vous. Nous allons simplement voir si le Saint-Esprit voudra bien nous révéler quelque chose maintenant. Si vous croyez en lui et que vous croyez que ceci est le signe, souvenez-vous, cet ange, il était un homme. Il a mangé, il a bu en présence d'Abraham. Et pourtant, il a bu, alors même que Sarah était dans la tente, il a pu discerner les pensées qui étaient dans son cœur. C'était le signe. Il était la parole. Maintenant, si seulement la parole pouvait venir à nous, alors aussi, il a promis d'accomplir la même chose. Maintenant, vous qui êtes là dans l'auditoire, qui n'avez pas de carte de prière, et qui savez que vous ne serez pas dans la ligne, moi je ne peux pas discerner qui est qui, à moins que le Seigneur me le montre. Et si vous croyez que Dieu, bien sûr, guérit les malades, je veux dire que vous croyez en ce moment, pendant ces quelques minutes,
et priez simplement, dites, Seigneur Jésus, je sais que cet homme est en train de parler, c'est un homme, mais il m'a dit que, il m'a dit ce soir, il nous a démontré que le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas tuer. Ils ont pu tuer Jésus quand il était dans la chair, ils l'ont mis à mort, mais maintenant il est ressuscité dans son état glorifié. On ne pourra plus jamais le tuer. Il a dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, prédestinés, ceux qui ont été ordonnés à la vie éternelle, l'Église, l'Épouse, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Toutes ces promesses qu'il a faites. Maintenant, je sais que quand il était ici sur la terre, Dieu était en lui. Il était Dieu. Il était la plénitude de Dieu. Il était toute la parole de Dieu manifestée. Et la Bible est toujours Dieu, la parole. Et il y a une partie de la révélation qui doit encore être révélée. Il a dit, dans les derniers jours, alors que le monde serait redevenu comme Sodome, le Fils de l'homme serait révélé et que le signe de Sodome réapparaîtrait. Alors la voix appellera les gens à revenir. Ceux qui ont été destinés à la vie. Nous savons que quand il était ici, des millions de gens sur cette terre n'ont jamais su qu'il était là. Ils n'avaient pas de raison de le savoir. Il est venu à ceux qui avaient été prédestinés à le voir. Maintenant, priez. Restez bien tranquilles. Ne bougez pas. Où que vous soyez, balcon, étage inférieur, où que vous soyez, ne bougez pas, restez bien assis, continuez et priez, dites Seigneur Jésus, la Bible dit dans Hébreux 4, que tu es maintenant même un souverain sacrificateur qui peut être touché en ressentant nos infirmités. Et nous te voyons sur la terre, quand tu étais assis sur terre, à un moment donné, une simple femme a touché ton vêtement, tu t'es retourné et tu as dit, qui m'a touché? Elle s'est cachée. Mais sa foi avait été identifiée. Jésus lui a parlé de sa perte de sang et lui a dit que sa foi l'avait sauvée. Il est le même souverain sacrificateur. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il devrait agir de la même manière. Si vous le touchez, qu'est-ce que ça implique? Il faut donc qu'il y ait une chair humaine sur terre pour faire entendre sa voix. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Il n'y a pas moyen de passer à côté, mes amis. Ce sont les Écritures. C'est la vérité. Vous, les ministres là-derrière, vous croyez cela? Maintenant, dans l'auditoire, soyez vraiment respectueux. Seigneur Jésus, laisse-moi te toucher, Seigneur. Oui, la personne la plus proche de moi est à une distance d'environ 6 mètres. Je ne connais personne dans les bras. En fait, je ne vois personne que je connais vraiment à part Pat Tyler qui est assis ici en avant, un ami. Il y a des gens qui sont là sur des brancards. Hier soir, nous avons vu un malade qui était en dessous d'un brancard et cet homme s'est levé et est parti en marchant. Pourquoi pas vous ce soir? Croyez simplement, c'est tout ce que vous avez à faire. Sa présence produira le résultat, il est ici. Vous devrez vous tenir à ses côtés puisqu'il vous ressuscite au dernier jour. Maintenant, vous qui croyez, vous pensez le toucher dans votre prière, regardez par ici, comme Pierre et Jean l'ont dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement. Cet homme regardait attentivement. Il disait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Maintenant, la guérison, je ne l'ai pas. Mais ce que j'ai, a gift from God. Un don de Dieu, je vous le donne. If you just believe it, God si vous croyez seulement, I'm Dieu l'accomplira. Tout ce que je vous demande, c'est de croire. Ce que j'ai, je vous le donnerai. Si vous le croyez, Dieu l'accomplira. Essayez seulement. C'est ici, en ce moment même. J'aime ça, il y a une dame juste assise, ici, assez corpulente, juste là, au bout. Avez-vous une carte de prière, madame? Elle est assez corpulente, juste ici. Vous n'avez pas de carte de prière? You don't oui, have a prayer vous n'avez pas de carte de prière? You believe anyhow? Vous croyez? You don't need a prayer. Vous n'avez pas besoin de carte de prière si vous croyez. Ma voix résonne, c'est pour ça que c'est difficile d'appeler les gens comme ceci. Mais essayez de m'écouter aussi attentivement que possible. Je ne vous connais pas. Vous n'avez pas de carte de prière. Donc, vous ne serez pas sur l'estrade. Si Dieu me révèle quel est votre problème, croirez-vous quoi, que ce serait là exactement la même chose comme il avait révélé à cette femme quel était son problème, la femme au puits, à Sarah et tout, vous voyez? Croyez-vous cela? Croyez-vous que tout ira bien? Vous souffrez d'une maladie du sang, un problème de sang. Si c'est exact, levez la main. Très bien. Vous ne l'avez plus maintenant. Ça devient lumineux au-dessus de vous. Jésus-Christ vous a honoré. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie.
Alors qu'est-ce que c'est? Ça ne peut être que l'esprit. Maintenant, vous pouvez dire comme les pharisiens, c'est le diable. Eh bien, vous recevrez une récompense. Vous dites c'est Christ, vous recevrez la récompense de Christ. Moi, je crois que c'est la parole qui s'identifie en ces derniers jours. Ce n'est pas moi. Ici, une autre petite dame assise juste là. Elle souffre de varices aux jambes. She has complications. Elle a des complications. Elle est cardiaque. She's praying for a loved one. Pour un bien-aimé. That's a brother. C'est un frère. She's weeping now. Elle pleure maintenant. She's in contact. Elle est en contact. That brother. Ce frère. Is very serious. Est dans un état très grave. It's a diabetic case. C'est un diabétique. And also he has aussi, another shadow. He's il a une ombre sur lui. C'est un pécheur. And you're praying for him. Et vous priez pour lui. That's right. C'est exact. Mademoiselle Walton, si vous croyez de tout votre cœur, Dieu le fera pour lui. Vous le croyez? C'est votre nom. Est-ce que c'est différent de ce que Jésus avait dit à Simon? Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Ayez simplement foi, ne doutez pas. Croyez de tout votre cœur. Si vous le croyez, Dieu l'accomplira. Si vous pouvez simplement, ici, une petite dame assise juste là, elle regarde droit vers moi. She's kind of got red hair. Elle est plutôt rouquine et a les cheveux en arrière. Pouviez-vous voir cette lumière tourner au-dessus? Elle sait ce qui se passe maintenant parce qu'elle le sent. Elle ne peut pas s'en empêcher. Si c'est exact, levez la main, madame. Voilà. Maintenant, je vous suis totalement inconnu. Je ne sais rien sur vous. Mais vous étiez assise là en train de prier. C'est vrai. Si c'est vrai, faites signe. Maintenant, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et c'est ce qu'il est, un souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu, quant à moi, je suis simplement ici, par un don hors des raisonnements humains, sans utiliser ma propre pensée. C'est un moyen de relaxer mon esprit, de simplement laisser Dieu entrer. Croyez-vous? Dieu sait que je ne vous connais pas, et vous le savez aussi. Alors là, si Dieu me révèle quel est votre problème, ou quelque chose que vous attendez, ou que vous désirez, ou autre chose, croyez-vous que Dieu peut faire cela? Vous avez des problèmes de dos. Ça, c'est l'une des choses pour lesquelles vous priez. Et vous avez des problèmes avec les yeux. Croyez-vous que Dieu va les guérir et vous rétablir? Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? Madame Holman, croyez de tout votre cœur maintenant. Vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Croyez-vous? Voici une femme âgée assise juste derrière. Elle est en train de prier aussi. Elle a le diabète. J'espère qu'elle ne le manquera pas. C'est juste au-dessus d'elle. Elle est assez âgée. Un instant, que le Seigneur m'aide maintenant. Voilà, elle l'a saisie. Très bien. J'ai vu quand elle est entrée en contact. She isn't from here. Elle n'est pas d'ici. She's from Louisiana. Elle est de la Louisiane. Her city is a place la called ville Singer, où elle vient, c'est un endroit appelé Singer, en Louisiane. And et she's suffering elle with diabetes. Souffre du diabète. Her name is Son Mrs. nom Doyle. Est Madame Doyle. That's right, raise si c'est exact, levez la main. Très bien. Je suis totalement inconnu, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sait tout sur vous. Il y a une dame assise là-bas, qui vient de la même ville, un endroit appelé Singer. Elle souffre d'hypertension, et son nom est Clark. Croyez, Madame Clark? Eh bien, vous pouvez voir ce que vous voulez. Croyez-vous? Voilà le signe, écoutez la voix. Repentez-vous. Revenez à Dieu aussi vite que possible. Jésus-Christ est ici avec la puissance de sa résurrection. Une génération méchante et adultère reçoit un signe. Jésus-Christ vivant parmi les gens. Il ne pourrait pas faire cela s'il n'y avait que moi. Ça doit être vous aussi.
Oui, il fallait que la femme touche son vêtement. Il fallait que vous touchiez son vêtement. Nous ne sommes que des instruments. Croyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, si vous croyez, combien de fois? Levez la main comme ceci. Dites, je le crois vraiment. Si vous le croyez, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Croyez-vous cela? Maintenant, il se fait tard, nous n'avons pas le temps. Il est 9h35. Voulez-vous simplement vous imposer les mains les uns aux autres maintenant? Alors faites simplement ce que je vous dis. Posez les mains les uns sur les autres. Maintenant vous savez, en haut, partout. Maintenant, vous savez, très bien maintenant que l'Écriture a été prêchée, clairement identifiée partout dans la salle. Je vois encore quelqu'un maintenant même. Voyez, il y a quelqu'un d'autre, juste ici, un problème de prostate. Une dame atteinte de tuberculose. C'est vraiment partout maintenant. Mais cela vous affaiblit. Quoi d'autre? Quoi de plus? On en voit 50 et la fois suivante, on en veut voir 70. Jésus l'a fait une seule fois à Sichar et toute la ville a cru en lui. Ils attendaient le Messie. Le Messie est ici. Le Saint-Esprit, le Messie d'aujourd'hui, le Messie qui confirme la parole de sa promesse. Maintenant, je veux que chacun de vous, alors que vous posez vos mains les uns sur les autres, si vous êtes croyant, maintenant ne priez pas pour vous-même, priez pour l'autre personne, tandis qu'elle priera pour vous. Maintenant, la même parole qui a promis ceci dans les derniers jours a aussi promis. Et souvenez-vous, Jésus a dit, ces signes suivront ceux qui croient. La guérison qui en résulte, c'est la voix qui indique que le signe a été reconnu. Ils imposent les mains aux malades comme signe. La voix est un « Alléluia, le Seigneur m'a guéri ». Or, si ces signes accompagnent une voix, ce signe, si vous êtes un croyant, accompagnera la voix, accompagnera le signe. Si je vous présente ce signe que je vous ai dit venir de Dieu et que Dieu a promis pour aujourd'hui, il a été présenté si parfaitement que seul un incrédule pourrait ne pas y croire, voyez? Et puis, voilà, Dieu qui vient le confirmer pour le prouver. Maintenant, il est ici. Maintenant, chacun de vous priez de la même façon que vous priez dans votre église. Et que ce soit silencieusement ou à haute voix, peu importe, priez pour la personne sur laquelle vous allez poser vos mains, parce qu'il est en train de prier pour vous. Et maintenant, levez les yeux, et dans la présence du Messie, le Christ, The resurrected one, still alive after 2,000 years. How can we be so numb in the spirit? Pouvons-nous être si engourdis dans l'esprit? That ought to set this nation on fire. Cela devrait mettre cette nation en feu. Cela devrait amener Beaumont à se repentir, à prendre le sac et la cendre. Et le fera-t-elle? Non. But you who are Mais looking for him, qui l'attendez et qui croyez qu'il le fera et qu'il tiendra sa parole, c'est à vous là que la promesse est donnée. Posez vos mains sur quelqu'un et priez pendant que moi je prierai pour vous. Seigneur Jésus, assez a été dit, assez a été fait, la parole qui a été promise a été manifestée. Le Messie, le Christ de Dieu, en cette présence divine, nous le sentons, nous le voyons, nous savons qu'il a promis ceci dans les derniers jours. Ce qui arrive à le temps de Sodome arrivera de même quand le Fils de l'homme est révélé. Nous le savons, nous voyons le feu dans les cieux, les bombes atomiques. Nous voyons les nations mangées par les vers, les nations qui se disloquent. Nous voyons qu'Israël dans sa patrie, tous les signes qui ont pu être promis sont accomplis. La chose suivante, c'est la venue du Fils promis. Oh, et Dieu éternel, dans la présence de Jésus-Christ, le grand Saint-Esprit qui est ici maintenant, en train de confirmer qu'il est ici, entend la prière de ces gens, entend ces chrétiens. Et ainsi, quand je partirai, ne diront pas, très bien remarqué ceci, quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas leur a imposé les mains, ils ont été guéris. Et tu l'as promis que la voix avait un signe. Puisse-t-il être guéri alors que je les remets entre tes mains au nom de Jésus.